Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum en jouant Xelor au retrait PA, Yopter, Enirips à feu contre Ekaflip, Zobal, Osamodas, et pour l'instant on n'a pas de cote. Alors sur cette map, je pense que je suis pas trop mal. Bon, l'Eka pourra taper un peu à distance. L'Ossa, ça va beaucoup dépendre de son mode. La map me va. Pour l'instant, sur le papier, je pense qu'il n'y a pas trop d'avantages ni pour l'un ni pour l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a en face? Pritek. Tyranny sur l'Ossa, Phalanster. Ok, donc Ossa haut, crapaud. D'accord. Je regarde un peu les modes, pas hyper solide. Bon, quand même, ils ont des bonnes restes, ça m'embête parce que là, mon gros damage dealer, c'est mon Yop qui est en mode full de terre, dommage mêlée. En revanche, j'espère pouvoir partir sur un focus sur ça. Alors, il se met en plus, évidemment, indéplaçable, ça peut être assez chiant. J'ai pas de quoi faire mon rouage. Je pense que je vais le faire sur mon Eni. J'aimerais bien faire un rouage quand même. On va venir lâcher tac. Un rouage ici. Du retrait par là, maîtrise. Un petit flou comme ça. Une prémo par là. Et je pense que je suis bien là. Ah mince. Colis, il lui manque un item, c'est compliqué. J'espère que c'est un item où c'est le choix qui est mauvais et pas qu'il a un slot vide. J'espère que ça va pas trop les embêter. Bon. Après, on peut dire qu'on n'a pas de preuve que c'est vrai aussi, hein. Ah. On va y aller comme ça avec le Yop. Je vais me mettre un peu à couvert, mais il faut quand même que je casse la distance. Bon, l'Ossa va être lourd à ramener. Les cas qui se full boost, c'est un peu compliqué de savoir comment les choses vont se passer là. Il met beaucoup de mobilité. Bon, l'Ossa va me rush. Ah, j'aurais peut-être du contre en vrai parce que là je vais me faire tabasser en mêlée avec le crapaud. Après, enfin. Ouais, je pense qu'il va juste se barrer à fond. Les cas avancent. Après, les cas est pas hyper solide, hein. Il a pas de récri. Je peux peut-être tenter un all-in sur les cas, on verra. Moi je vais venir là. Mode amitié par là. On va y aller comme ça, on va mettre DPM au Xel. Un mot d'entraide au Yop. Et je vais essayer de faire gaffe aux zones à mon placement. Bon, je vais rester là avec Lenny, je pense que ce sera bien. On va venir soigner le Xelor. À fond le Xel, puisque j'ai pris la fureur. Je vais me mettre un peu à distance avec le lapin. Ok, bon. Là, le placement de son Osamodas va être déterminant. Il a 12 PM, il peut se barrer vraiment au bout du monde s'il veut. S'il veut se mettre safe. Après, il a pas beaucoup de PA pour me. Ok, il avance. Après, je crois qu'il peut me tacler et me. Ça dépend s'il va crapaud ou plutôt bouffe tout. Ok, c'est du crapaud, ça va me faire mal, mais je peux le ramener. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Et en plus, il a la roulette à son cac, donc il prend pas d'état indéplaçable avec les fers de la tyrannie. Ok, le crapaud qui me fait pas mal de dégâts. Ok, c'est assez violent quand même. Il se barre ici. Alors, ah, je voulais mettre le lapin sur la prémo, mais en vrai, bon, c'est ok. Bah, très franchement, c'est pas trop mal. Je vais go chauffeur. Je vais mettre ça ici. On est parti comme ça. Je vais même faire ça. Ça. Histoire de pouvoir caler mon ébène sur l'Ossa. Et je vais me barrer bien à distance avec mon Xel. Ok, donc j'ai mis du retrait sur les cages, je lui ai éventuellement cassé Ocre Vulbis. Le Zobal, il est un peu out pause. Il va pouvoir rush mon Yop quand même, ça m'embête. Mais après, il a pas tant de PA que ça. Ok, bon, et ça protège beaucoup. J'aurais peut-être pu m'arranger un peu différemment pour le placement. Ça aurait été bien que je pète le crapaud en même temps que l'Ossa en fait.
On verra comment on peut gérer ça. Ok, bon, il continue à y aller sur le Xel. J'ai presque envie. J'hésite entre un all-in Eka et Ossa. En vrai, je vais aller sur l'Ossa quand même, je pense. Vas-y, c'est parti. On va éroder cette fois. J'érode pas systématiquement, mais là, j'ai besoin. Ok, on tape sur l'ivoire, c'est ok. On va précis, je pense. Triple concentration. Et une fureur. Ok, pas de crit à la fureur. Il a quand même pris pas mal de dégâts. Ce qui veut dire que Leika va être obligé, à mon avis, de partir un petit peu à la rescousse pour le sauver. Sinon, Lenny va pouvoir le finir. Il casse la distance, il peut contre-coup, il peut. Je sais pas s'il est feu ou autre. 110 de tacle. Ça, oh, ça ressemble pas à de Leika feu, ça. Contre-coup. J'aimerais beaucoup péter le crapaud en fait. Perception. Moi, j'ai bien fait d'éroder à vos taquets. Je vais venir mettre le crapaud par là. Parce que là, j'ai vraiment besoin d'aller prendre la zone sélectif. Y compris sur le Xel aussi, du coup. J'ai envie de lâcher un mode solidarité au Xelor. D'un autre côté, il faut aussi que je pète le crapaud. Ah, je le tuerai pas le crapaud, par contre, c'est terrible. Ok, on va y aller comme ça. Je vais faire un mot de solidarité là-bas. Un mot alternatif et une maîtrise d'armes pour moi pour la suite. Ok. Et le lapin est taclé, malheureusement. On peut soigner le Yop qui a pris un peu de dégâts. Et le lapin lui-même qui joue ensuite, c'est l'Ossa. Je vais essayer de lui casser un petit peu sa retraite en allant par là. Il a 11 PA. J'ai un peu peur de ce que peut me faire le crapaud, j'aurais vraiment aimé pouvoir le tomber. J'aurais peut-être dû m'arranger avec le Yop pour lui mettre des dégâts. Il lui aurait fallu juste qu'il prenne un sort en zone ou un truc comme ça. Bon après il est quand même bien amoché, il a pris beaucoup d'érosion. Mon Xel, ça devrait aller en vrai, je l'ai bien remis en forme avec Lenny. Et mon Xel a des dégâts aussi, hein, mais. Après j'aurais peut-être dû contre. Ouais. Enfin je voulais vraiment placer l'ébène au tour d'avant aussi, là il a pris un ébène à 50. Non, combien l'ébène? À 178. Easy PVM, c'est un beau pseudo ça. Ouais, je prends très cher quand même. Hein. Il va où là? Ouais, ça a fait du téléfrag ici. C'est le ball. Ouais, je pense que je vais y aller comme ça. Je vais libé. Rap, ça sert à rien en fait. Je vais juste me barrer. Je vais libérer horloge. J'ai l'heure. Ok, j'ai le temps de finir mon tour, j'ai eu un peu peur. Je mets un peu de retrait à l'Eka, je me suis décalé. En fait, j'aurais voulu prendre un peu de vol de vie, mais comme je tape sur du bouclier, du contre-coup, bah, en fait, je prends absolument pas de vol de vie. Donc ça, c'est un peu sad. Il va falloir absolument avec le Yap que j'aille chercher de la zone là. Je peux souffler éventuellement le crapaud, ou alors lui mettre une AQ. Ok, il met un malus de dégâts, c'est plutôt bien vu de sa part. Bon, mes PA sont buggés, hein, vous inquiétez pas, j'ai pas autant que ça, ce serait un peu abusé. Je suis un peu inquiet pour mon Xel, on a le Leka qui va jouer derrière. Il vient à mon cac. Ah non, du coup, il m'enlève le. Ah, c'est embêtant ça. On va y aller comme ça. Il m'enlève ma possibilité peut-être de mettre. Oh, en vrai, est-ce que je lâche pas un méga all-in? Non, on va y aller comme ça. Faut que je pète le crapaud à tout prix. J'aurais voulu mettre une Vita sur le Xel. Je pense que j'ai plus de Xel, c'est un peu triste, mais. C'est comme ça. Faut quand même que je stack mes fureurs. Après, même s'il tombe le Xel, ce qui à mon avis est le cas. Ah, 9 PA en vrai, j'ai l'ivoire. C'est pas dit. Ok, c'est bien vu ça. Il met du soin sur son Ossa et il casse mon ivoire. 7 PA restant chez lui. C'est assez tendax là. Ouais, il est en train de regarder s'il peut passer le kill, je pense. Non. Chance d'Eka flip. J'aimerais bien qu'il pousse mon Xel. Je n'aurais pas cette chance, malheureusement. Ok, il manque pas grand-chose pour prendre de la zone sélective. Bon, avant toute chose, on va venir mettre un mot de solidarité.
On va y aller comme ça. Mode frayeur. Mode solidarité. Double sélectif. Il faut absolument qu'il vive en fait. On va rebooster le yop. Et aller chercher des petits dégâts sur le ça. J'aurais pu péter le crapaud en vrai. Ça aurait peut-être été bien. Bon, j'ai pété son autre crapaud qui était le plus problématique. Compliqué hein, comme match-up là. Heureusement, bon, le Xel a pris un peu de PV. L'Ossa a 8 PA. Je vais rester là avec le lapin, je suis bien. Il prend encore mon ébène haut. Après, j'ai juste à tempo. En vrai, le Zobal, si je reste assez loin de lui, il aura du mal à aller me chercher. Et je peux partir, j'allais dire en retrait sur les capflips, mais il a un mode à 136 esquive PA. Donc c'est un peu compliqué d'aller le chercher, malheureusement. Bon, l'érosion vraiment sur l'Ossa se fait sentir là. 1600 PV max. Moi, en termes d'héros, je suis pas trop mal. J'ai toujours pas mis le contre. Mais là, comme il est en chance des K-flip, en vrai, le contre, ça lui fait pas grand-chose. Et en vrai, est-ce qu'il me termine là? J'ai presque un doute. Oh, ça t'a fait mal! Ça fait hyper mal, son truc. Moi, je m'attendais pas à prendre autant de dégâts, pour être honnête. Là, c'est le Zobal derrière. À la limite, je peux presque spam horloge pour me régénérer. Pétrif, elle est à 5. Ah, il me faut de la régène à tout prix. Il y a vraiment un ivoire là. On va se barrer au bout du monde. Je suis à 388 PV, 11 PA sur le Zobal. J'y crois pas trop. J'y crois pas trop. L'Ossa est toujours en chance des K-flip. Après, en vrai, avec un bon précis, je peux peut-être le faire un truc. Peut-être même sans bon en fait. 9 PA le Zobal, est-ce qu'il passe le kill? Sinon, moi je peux me Vita après. Ah oui, il me tue 100% là. Ah, plastron. 2 PA. Ok. Il y a peut-être un monde dans lequel. Je peux faire un truc. Et oui, parce que là en vrai je fais ça. Là je peux mettre une emprise. Une anti. Il me reste 6. En vrai, est-ce que ça suffit? Je vais le pousser encore. Là, je veux vraiment que le Xel vive. On va venir chercher les petites zones ici. Là, son Eka, du coup, je casse la ligne de vue. L'Ossa est en retour de chance des K-flip. Oh là là, il tape fort. 250 PV sur le Xel. Bon, on voit pas trop, mais l'engrappeuse, il prend la zone. Après, 2 PA. En vrai, je crois qu'il me tombe pas. C'est incroyable. Vraiment, si j'arrive à tanker ça, c'est un miracle, hein. Est-ce que je peux avoir une ligne de vue sur son Ossa? Déjà, on va dégager ça. Ah bah il me manque pas grand-chose, et ça c'est assez sad pour le coup. Je le tomberai pas. Faut que j'accepte. Ok, c'était un tour full opti de soins. Moi, bah, je l'ai remis full PV, 3000 PV. Ça régale, je dois reconnaître. J'ai très très bien géré mon tour là. Je pense que c'était la bonne décision. C'est pour ça qu'ils. En vrai, ils m'ont pas trop érodé en vrai, alors qu'ils ont un EK. Voilà, c'était un peu le sauvetage miraculeux. Ah, j'avoue, c'est. Bon, c'est Ennifeu, hein, de toute façon. Hein, Le perso a ses points faibles, hein. J'ai très peu de mobilité, là j'ai très peu de façons de rush mes cibles, là, typiquement là juste le Zobal devant je pouvais pas le toucher. Ah quoique si j'aurais peut-être pu avec du mot secret pour le pousser d'une ou deux cases. Mais bon c'est ok. Là je vais prendre très cher avec le crapaud. En zone évidemment, sinon c'est pas drôle. Ah, ça fait bien mal quand même. Hein.
Ensuite, c'est le Zobal. Ok, je pense que je vois ce que je vais faire. On va y aller très simplement comme ça. Comme ça. Ok. Pas trop dégueu. Zobal 5 PA, j'ai 1500 PV. Lossa, il a un retour de chance, il est très érodé. Je crois que j'ai perdu mes stacks de fureur par contre, ça c'est un peu triste. Quoique, est-ce que je l'avais pas lancé? On va voir. Est-ce que j'ai ma fureur qui est stack ou pas? Là, de toute façon, Lossa va prendre très très cher. Il choisit d'y aller full protection sur Lossa, mais avec un all-in, je le tombe. Hein. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Il a un retour de chance décaflip là, donc ça va être la fête. Ouais, la fureur n'est plus boost. Alors des crits, c'est cool, j'ai quand même normalement des bonnes chances de crit. Bon, c'est un peu sad. On va y aller comme ça. Non, c'est pas le bon sort! Ok, ça c'est un peu sad par contre. Bah, je me suis trompé. Après, bon, ça passe, mais... Je peux pas refaire de Vita. On va y aller comme ça en vrai. Tac, j'aurais aimé lui remettre une fureur, mais je veux vraiment l'éloigner au max de mon Xel. Ok, roulette PO, bah évidemment. Sinon c'est pas drôle. Là en vrai je pense qu'il tombait le Xel avec la PO. Hein. Coussiner. Je sais pas s'il a top cage. Je pense qu'il tombait mon Xel en vrai. Par contre, le Zobal, il a un peu pris la confiance là, non? Ah, il a beaucoup de boucliers quand même. Ouais, je pense que jamais je le tue en fait. On va y aller comme ça, nous. Petit soin sur le Xel. Tac, tac. On va restimu et PM sur le Xel. Bon, c'était pas full petit là, mais on utilise les PA au max. Yes. Bon, le lapin, il n'y a pas grand chose de spécial au niveau placement à faire avec. Il va où le Zob là? On va le mettre là. Hop. Comme ça en plus il prend le retrait du cadran. Je me suis mis un contre. Je sais pas trop si ce sera très utile contre son mode. Ouais non en fait ça sert à rien du tout. C'est un échec. Attends, pourquoi j'ai plus de vie sur mon yop là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est embêtant ça. J'avais pas du tout fait gaffe à la vita de mon yop. Bah, si j'avais su, j'aurais peut-être pas ramené de cette façon. Ok, il se fait tacler, il avait 3 PA. Ça c'est bizarre par contre. Ouais, c'est un misclick, c'est une esquive sans relais. Bon, ça m'arrive aussi assez souvent. Bon, je pense pas qu'il me tombait dans tous les cas, mais bon. Vas-y, on va se vite, hein. Évidemment. Est-ce que je restack mes fureurs en vrai ou pas? J'ai envie de dire oui. C'est Lenny qui joue ensuite. On va y aller comme ça, fureur. On va l'inti, on casse l'ivoire avec, c'est parfait. On se cache un peu derrière le lapin. Bon, encore une fois. Roulette agit. Ok, bon, cette fois-ci, ça va pas être trop problématique. Il peut me choper la langue râpeuse, je pense. Est-ce qu'il a la PO? Cela dit, peut-être pas. Bon, il peut s'odorer, se booster en PO, c'est un éca, mais là, il est parti au bout du monde. J'ai pas compris pourquoi il s'est barré comme ça, parce que ça fait deux tours avec mon Yop que j'utilise mes PA pour le mettre à distance. Et là, il a choisi de partir encore plus loin. J'ai pas trop compris. Il était pas en danger, les K-Flip. C'était plutôt le Zobal, là, la préoccupation. Moi, j'ai mes persos qui sont groupés en 3v1, donc. Coussiner, coussiner, ouais. Ouais, c'était un peu bizarre là son choix de déplacement. Bon, je pense que lui il rejoue pas.
Allez, la flammiche, c'est parti. En vrai de vrai. C'est bien qu'il meurt pas, notre ami le Yop là. Vas-y, on va y aller très tranquillement, en mode régène. Je vais y aller comme ça parce que je voudrais lui mettre des PM en fait. Je vais avancer ici. Éventuellement. Ah, on fait du commerce en colis, nous. Alors, vas-y, bon, on va y aller en mode no brain. Urgrave, Momif. Le Yop, il va où? Non. Bon, vas-y, pas le temps. Ah ouais, d'accord, ça me fait littéralement son commerce en colis. Le mec, sans pression, s'est dit, bon, j'ai perdu des colisettons, mais peut-être que je peux avoir un truc. Vas-y, on va go déferlement. Double coup de cake. J'ai vraiment une pression, mais j'arrête pas de misclick. Bon, il faut que... C'est pas grave, vous inquiétez pas. Ça fait pas longtemps que je joue ça. En fait, et puis ça fait pas très longtemps que j'ai passé mon crack en raccourci. Avant, il était sur le premier slot. Donc là, j'ai fait la confusion. Bon, c'est un peu triste, mais tranquille. Je pense que ça va pas changer l'issue du colis. C'était un beau colis, en vrai, c'était intéressant. Les Ossa, c'est vrai que c'est très fort quand même. Hein. Ossa haut. Je pense que j'ai bien fait de le focus. Le Zobal a pas fait grand-chose en vrai. Bon, enfin, il a quand même beaucoup temporisé avec ses boucliers, mais ça allait quoi. Bon, c'était un joli petit colis. J'espère retomber contre eux à l'occasion. Hop. Bien sympa. Zobal, c'est quand même une classe que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une belle classe. C'est très stylé. Le gameplay, le style, l'esthétique, tout est génial sur le Zobal. Et heureusement que j'ai beaucoup érodé parce qu'on avait quand même un Ossa qui avait 2200 points de bouclier tour 2, je crois. Donc l'érosion a bien carré sur ce combat. Et il y a quelques prises de décision en face que j'ai pas trop comprises. Mais bon, voilà, on s'en sort. Écoutez, j'espère que ce combat vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, vous avez les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.